Ah, maintenant on va faire un tour de Grand Torino. Ça c'est THE voiture, c'est la voiture qui a bercé mon enfance. C'est bon ça. C'est bon t'as... Hey, t'as... On est bien installé. Ah bon. Ouais, t'as, c'est confortable. Waouh. Alors moi je vais pas faire ce que tu as fait. Non, mais je te le demande pas non plus. Et du coup t'as le levier de vitesse que... là ouais, comme moi en fait. Oh, la taille des rétros. Ouais bah ça sert à ah rien. Ah ouais, ils sont tout petits, c'est en option. Ah oui, ça sert à rien. C'est vrai, Kiki. Ah, t'as amené tes collègues avec toi? C'est bien dedans, hein? J'en reviens pas du confort. T'es dans un fauteuil, mais alors. Waouh! Fais gaffe de pas toucher le crochet là parce qu'elles ont tout le monde. Ah non, touche non, mais ici. Moi elle est. Ouais, elle est pas rabaissée celle-là. Ah, celle-là. Non. Ouais, tiens, toi tu touches pas toi. Parce que même moi avec la Tesla j'ai touché les tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il fout? Ouais, je sais pas. Il a plus d'essence. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est... À force de faire le con. Non, il nous a peut-être juste accompagnés comme ça. Ouais, ouais. Ah si, il est toujours là. Ah bah. Qu'est-ce qu'il fout? Est où? Il est là. Il est là. Il est bien allé pisser. Non, ou alors il a pris un autostoppeur. Il arrive. Oh, t'as même la CB d'époque. Ah ouais, 40 ans. Ouais. Alors je veux dire, pour la mettre, j'ai mis 4 heures. Parce que ah c'est du plastique. Bah oui, mais ça a 40 ans. Tu sais. Ah ouais, donc t'as intérêt à y aller mollo pour pas casser ah ouais. Le. Ah ouais, je veux dire, une demi-journée pour mettre la 4 vis. Ah, il est fou. Par contre, ça ronronne, moi. Et voilà, c'est ça. C'est voilà. Un autre charme encore. C'est autre charme. Ben oui, c'est. Manque plus que la musique Tarski. Vous connaissez monsieur et madame Tatatatatatata en deux fils. Vous connaissez pas? Non. Bah, Tarski et Hutch, parce que Starsky et Hutch, tatatatatata. Quoi. Bah oui. Ah ouais, il se pousse direct là. Non, bah là, ils ont intérêt. Hein. Ah ouais. Et il y a combien de chevaux alors sur cette voiture là? 33 docteurs. 33 et fiscaux. 240 chevaux. Ouais, parce qu'elle est préparée, parce que sinon ça fait 170. Hein. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'était à l'époque de la crise du pétrole, du coup ils bridaient les moteurs. 100 litres le réservoir. 100 litres. 100 litres. Ah, 140 euros. Ah, c'est pas Tesla. Bah oui, forcément. Ouais, mais bon, c'est une voiture. Époque, hein. C'est une voiture qu'on utilise pour le plaisir. C'est voilà, on s'en sert pas tous les jours. Lotisman, du coup. Ouais, non, mais c'est, ça fait son petit effet quand même. Ouais, c'est sûr que ça marche pas comme toi. C'est normal, c'est déjà j'ai plus de chevaux, puis c'est électrique, c'est différent. Voilà. Mais ça la marche. Voiture, elle a quel âge, Pascal? Et, voilà, attention, c'est ça aussi. Quel plaisir. Mais voilà, c'est carrément. C'est délirant contre, d'être à bord de ça. Ouais. Ouais. Puis même, ça a un look de ouf. C'est... C'est deux mondes différents mais qui s'accordent bien, moi je dis. Exactement. Il est encore avec ses gyrophares. Bah moi aussi, hein. Oui, ah, il tourne. Ouais, ouais. Tu l'entends pas? Ah ouais, exact. Ah, bah, je sais pas si on le voit. Du coup, le premier compteur qui est bouché, c'est quoi? C'est une aération, c'est quoi? Ça, c'est aération, ouais. Okay. Ouais. Il n'y a pas de compte tour.
D'accord. Voilà. Il y a le compteur en miles. Qui est là. Ouais. Et voilà. Là-bas, c'est le carburant. C'est le carburant, l'horloge. C'est les voyants, bon, c'est l'horloge qui est un peu trop bon. Ah oui, on a l'odeur, on a c'est, ah bah oui, l'expérience, cette auto. Puis même, c'est culte, quoi. C'est dans une Grand Torino de Starsky et Hutch, quoi. Voilà. Attends. On n'est pas venu pour rien, aujourd'hui. Ah non. Ah bah là, pour le coup, ouais, c'est une super journée. Hein. On monte dans des voitures de dingue. Et puis là, t'as pas d'ABS, pas d'antipatinage. T'as pas d'antipatinage, mais c'est fou, là. Ah, c'est bon, ça. Tu te dis les cascades qu'il faisait avec. Oh là là, c'est un truc de fou. Surtout que là, il n'y avait pas de trucage vidéo à l'époque. Ah, ouais, non. Ah, le mec, il... Mais ils ont dû en casser. Hein. Ouais. Non, pas tant que ça. Ils aimaient bien les gadgets, les Américains. Ah, tout le monde nous regarde là, c'est sûr. Ah, la slow, il en peut plus là. Parce que des fois il y a pas avoir les flics, mais c'est pas nous hein. Ouais, je pense même pas. C'est là. Je pense même pas qu'ils t'emmerderaient. Ouais, ils te diraient à éviter, mais bon. Ouais, ou... au contraire, ils prendraient des photos, je suis sûr. Ah, dirait, oui. On peut monter dedans. C'est pas un deux tons de police française. Putain, j'adore ton Komodo. Là, il y avait besoin de cendrier là. Ah oui, ça, ah, ça fait longtemps que ça a cramé ça. Ouais. Et tu là, toi, tu peux parler aussi à l'extérieur. Ouais, j'ai le mic aussi. Ah ouais, génial. Ah, c'est top ça. Public adresse. Du coup, la moto là, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Fabuleux. Là, chacun ses petits plaisirs. Hein. Ah, mais carrément. Allez, Joël, ils ont la tête dans le portable, ils voient rien. C'est incroyable. C'est... Allez, les gens qui traversent dans la rue aussi, c'est pareil. Ah bah oui. Ils loupent, c'est con, quoi. Ouais. Ah oui, tu vois pas ça tous les jours. Tu vois pas ça tous les jours. T'as leur monté dedans, c'est encore plus... Un clenon quoi, c'est mythique. Ouais. Oh putain, alors lui. Lui, discrétion, il connaît pas. Non. Lui, on a rien à battre. Énorme.
mets une bouche. Au cas où, tu sais. Sirène des potes. C'est d'une souplesse en plus les suspensions. Ah, c'est au cas où on saurait pas qu'on rentre. Les gens ils auraient un doute. Un carnage. Putain, derrière je rebondis. Oh, la souplesse. Ah, la souplesse est incroyable. Entre les suspensions et les fauteuils, c'est hallucinant. C'est vraiment une expérience à vivre. Bah, merci. Hein. Bah, je t'en prie. Merci Pascal. Ah, je vous en prie. Ah non, là. Extraordinaire. Tu vois, chacun ses petits bonus. Ah non, mais là, unique. Hein. Bon, moi, ça vaut pas trop le coup, mais bon. Tesla. Tesla, oui. Voilà la voiture du siècle, la voiture mythique. Quelle beauté cette caisse. Oh là là, cette gueule.